avons 15 adhérents, dont 13 peintres. Tous les peintres sont des peintres amateurs. Et chaque année, début juillet, nous offrons aux villageois et aux gens de passage une exposition comme celle-ci, et qui a beaucoup de succès. Jusqu'à présent, nous avions une intervenante qui venait, donc nous fonctionnons le mardi de 9h jusqu'à 16h30, avec un cours le matin, un cours l'après-midi. Alors, nous avons la prof qui nous donne un thème imposé, et après, chacun fait quand même des couleurs différentes, un petit peu. À sa façon. Et nous avions une intervenante qui venait de Saint-Maximin pour nous prodiguer ses conseils et nous apporter beaucoup de choses, puisqu'on le voit au résultat de cette exposition. Pour des peintres amateurs, je pense qu'il y a quand même de très jolies choses. L'association, donc, en dehors du fait de peindre, essaie de maintenir un climat de convivialité, d'amitié. Moi, j'ai choisi Vendôme, mais vous avez choisi autre chose. Je sais pas ce que vous avez choisi. C'est pas Vermeer aussi qu'on a pris le champ de blé au corbeau. Voilà, toi. Et moi, j'avais pris Van Gogh, le même que celui-là, mais c'est d'accord. Il n'est pas tout à fait pareil. On a fait Vermeer. Le clair-obscur. Le clair-obscur, c'était intéressant. Beaucoup de clair-obscur. Oui, intéressant. On a interprété aussi Morandi, Brienne. Et celui qui fait un peu les personnages un peu ronds. Je me rappelle jamais. Oui, c'est Botero. Botero et l'autre aussi. Et nous aidons mutuellement, parce qu'il y a des gens qui sont plus compétents que d'autres, pour avoir peint plus longtemps ou dans d'autres associations. Donc on s'aide, on fait en fin de cours, on fait toujours une analyse de notre travail, et chacun apporte son petit éclairage. Ce n'est pas une critique, c'est un avis, une opinion, qui nous permet des fois de voir les choses autrement et de modifier, d'améliorer notre travail. Le hollandais, c'est pas Velasquez. Vermeer. Interprété aussi pour Vermeer. Moi, c'était trop compliqué. Hein. C'est très difficile. Parce que c'est beaucoup de la reproduction et c'est beaucoup de détails de draper. Il y en a un là-bas, c'est René, lui, il fait dans son imaginaire. Il utilise beaucoup l'imagination et ça c'est assez intéressant. C'est ça qui est original. C'est de ne pas faire tout ce que font les autres. Parce qu'en réalité, on voit ça quand on peint, on est là, et on a toujours cette main au milieu. Et vaut mieux l'avoir, parce que si vous étiez manchot, vous ne serez pas peintre. J'avais vu une fois dans une exposition, c'était Rembrandt, à rien à voir, où il y avait une dame, et il y avait les deux mains qui venaient par devant, comme ça. Et ça m'a donné l'idée de... Il n'y a pas de décor, il y a des... Ça ressort de la peinture. Il n'y a que des touches faites au couteau et on fait ressortir les artistes. Comme là, la chanteuse, là, qui s'appuie. Et les notes qui s'en vont comme ça. Et quand on fait les trucs du professeur, comme il nous a dit. Et puis après, moi, j'ai mon petit atelier, là, où je me fabrique je m'invente des histoires. Vous allez voir, je vais vous en montrer. Et on l'a fait circuler comme ça, sans pinceau, sans rien. Alors ça s'accroche au relief que j'ai mis dessous. Vous faites alors de l'acrylique par-dessus. Et ça ne se mélange pas, l'acrylique et l'huile. Alors ça fait tout plein de couleurs, regardez, tout plein de petits points, comme ça. Et Zawaki s'appelle, c'est un peintre chinois qui est célèbre. Là, on avait fait à l'atelier, on avait appris ça à l'atelier. Enfin, appris. On a essayé de faire des choses rapprochantes de moi qui, pour être honnête. Et toujours du blanc. Vous savez que les peintres, la peinture qui passe le plus, c'est le blanc. Le blanc. Ouais. Parce qu'on en met de partout. Du blanc, il aide à raviver, à rendre plus court. Cette année, nous pouvons dire que c'est, entre guillemets, une exposition de sortie de confinement, parce qu'évidemment, depuis le premier confinement, nous n'avons pas pu reprendre les cours. On espère en septembre, tout le monde étant vacciné maintenant, de pouvoir... On a changé de salle pour avoir la distanciation possible et légale, et on espère pouvoir reprendre en septembre. Donc cette sortie de confinement, ben, c'est certains qui ont peint chez eux pendant le confinement, qui ont mis ce temps
justement pour peindre, et puis d'autres œuvres qui avaient été faites auparavant. Et donc elle est très diversifiée, très colorée, et j'espère qu'elle attirera beaucoup de monde et qu'elle elle sera appréciée, elle rendra un petit moment de plaisir à ceux qui viennent la voir. Voilà. Non, mais comme je suis à la retraite, je disais faudrait que je fasse des activités. Bon, j'ai d'autres activités que ça, mais j'ai voulu essayer. C'était un défi. Hein. C'était un défi. Au début, j'en ai un peu bavé, mais je suis content. Je suis content quand je vois mes tableaux. Cette année, bon, avec la crise sanitaire, on n'a pas pu faire de cours. Donc ça, c'est le résultat du travail de deux années de peinture. Je ne pensais pas arriver à faire des tableaux comme ça. Ça a été un challenge. On m'a dit, viens. La professeure de peinture, Moni, m'a dit, mais non, mais il faut venir essayer. J'ai fait un essai, et puis, ben voilà, avec son aide, bien sûr, hein, parce que les tableaux ont tous été un peu retouchés par la professeure. À la lecture du livre d'or, chaque année, nous sommes engagés à continuer. Ça nous encourage beaucoup. Voilà, parce que les gens ont une vue de l'exposition qui, des fois, n'est pas forcément la nôtre et qui nous donne beaucoup d'élan pour continuer.